Non, on a pris le match très au sérieux dès le début. On s'est mis à l'abri en marquant rapidement. Donc on a enchaîné un ou deux buts qui nous ont permis d'évoluer sereinement, sans prendre de risques. Et puis bon, le score était déjà acquis à la mi-temps avec 6-0, je crois, à la mi-temps. Donc c'est vrai que c'était un peu plus facile pour nous. Bon, ça s'est passé dans un très bon esprit des deux côtés. Voilà, donc c'est mission accomplie pour la TRN. On a fait ce qu'on devait faire et voilà, ça c'était le plus important pour nous. Est-ce que vous pensez réussir à gagner cette coupe de Bretagne avec votre effectif? Bravo. On l'a gagné deux fois déjà, donc pourquoi pas, oui, on espère toujours faire un triplé en Coupe de Bretagne, ce serait bien, oui. Une belle équipe à Luron, c'est clair qu'il y a une vraie différence dans le jeu, mais je pense qu'on peut être fier quand même de ce qu'on a fait. On a, sur en deuxième mi-temps en tout cas, marqué deux buts, ce qui est réconfortant. Après, la différence elle est là, ça va plus vite à tout niveau. Mais je pense qu'on va grandir et puis on va continuer à jouer notre championnat à fond. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Voilà. Fière de cette journée quand même? Complètement, ouais, mais c'est bien parce que pour le public, pour Luron, pour le village et puis pour les joueurs. Donc ouais, je suis fier d'eux et puis je suis content de... Fier d'avoir quand même marqué deux buts. Voilà, c'est ça, contre une très grosse équipe, ouais. Une des plus belles de la région, ouais.